nationale le bras de fer. Et les finalistes, d'abord celui qui a été 5 fois champion du monde, Bull Hurley. De lui disputer la couronne, Lincoln Hawks, l'outsider qui a créé la grande surprise du tournoi. Un inconnu sorti de tu vas gagner, je sais. D'autres luttent sa place en finale contre le quintuple champion du monde. Challenger et le champion. Démonde. Le vainqueur partira avec la coupe de champion, un prix de 100 000 dollars. Et ce n'est pas tout. Il recevra un super prix, un tracteur Bronco dernier modèle, d'une valeur de 250 000 dollars. Est-ce qu'il mérite d'être un adapte de combat? Moi, je dis que non. C'est un petit amateur et ce con, il traînera pas longtemps. Les deux adversaires sont sur le podium. Ils s'observent. C'est une véritable guerre d'intox. La préparation psychologique avant le combat. Allons, messieurs, en place. Il a déstabilisé l'adversaire. T'es mort. Allons-y. Amène-toi ici, fillette. Placez vos coudes sur les marques. Et voilà enfin, face à face. Non, c'est pas un truc. Je retourne ma casquette d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme ce tracteur, une machine. T'es à moi, je t'ai à ma pote. T'as rien du tout, t'es une merde, tu le sais ça. Tu le sais ça. Allons, Hawk, ça suffit, en place. Papa, te laisse pas influencer, l'écoute pas, c'est ce que tu me disais. Je sais que tu vas gagner. Viens ici, viens te battre. Les épaules droites. T'as rien dans le ventre. T'as pas de muscle. Coude en place. Attends que je démarre, mais tu vas saigner, ça va faire mal. Tout ce que je veux, c'est l'estropier. Lui faire mal, qu'il tombe de ma table et qu'il en crève. En tout cas, il n'osera plus venir masticoter. Prêt, go ! Allez, vas-y ! C'est plein de feu, vas-y ! Bull Hurley fait 280 000. Prêt de son ! Plein de feu, allez ! Il s'est lâché, la prise. Il est sec lâché. Non, il ne lâche pas. Je dis qu'il lâche. Non, il ne lâche pas. Allez, touche. Oui, 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 Bull. Il lâche. Gardez la prise. Il a laissé glisser. Ne me touchez pas, je vous disqualifie. Il est un sale con. Si vous touchez la prise, il a lâché. Pas ta gueule. Tu vois pas. T'es mort. T'entends ce que je te dis. Essuyez la sueur. T'es mort, sale con. Je demande le pire. La transpiration empêche la prise de main et l'arbitre réclame un cure de protection pour empêcher que la sueur ne transpire. Avec ouvrez la main. Leurs mains sont en contact direct. Dégagez le fou, Hurley, allons. Michael, le cuir de protection rentre à la maison dès que c'est fini. Le combat va pouvoir reprendre. Papa, tu vas gagner, fou. Papa, écoute-moi. Les deux champions sont venus face à face. Je sais que tu peux, vas-y. Attends le signal de l'arbitre. Pauvre petit chien, je vais te mettre la boîte. Avertissement, Hurley. Ouais. En place. T'as rien qui sait. Le top, tu vas passer le top. Le top, papa, tu vas passer le top. Allez, viens, fillette. T'es mort. Prêt. Non. Il est bien concentré. Il y a une intensité à couper au couteau. Une attaque surprise de Hurley. Attention les touches. Il va pousser. Oh que oui, il craque. Papa, vas-y, Oh!
Maintenant, on peut monter notre affaire à nous. On pourrait l'appeler Fils et Hawk. Fils et Hawk. Oh oui, ça sonne bien. Ouais, pas mal. Mais qu'est-ce que tu dirais de Hawk et Fils? Tu crois pas que... Hawk et Fils? Bah, c'est plus classique. Hawk et Fils? Mmh. Hawk et Fils? Ah oui, ça aussi, ça sonne pas mal. On monte? Dis, tu me laisseras conduire, papa? Hé, on est associés, non? When I watch you walk away, I can hear the words you say. In another time and place, just a renegade. Cause it's something that you knew. Make it right, make it true. You know you've got to break on through.